Bonjour à tous, on se retrouve aujourd'hui dans cette nouvelle vidéo de présentation de jeu avec un jeu qui nous vient de la maison d'édition Kérosène et qui s'intitule Nuanceo. Nuanceo est un jeu de lexique qui va nous permettre de travailler au niveau du sens de mots proches. Ce matériel sera proposé à des préadolescents, des adolescents ainsi que des adultes. Trois jeux vous seront proposés avec ce matériel qui vont vous permettre de classer et puis de vérifier la compréhension en contexte de ces mots. Le premier jeu sera un jeu classique de famille. Vous n'êtes pas obligé de tout utiliser évidemment et donc vous pouvez sélectionner les cartes en fonction de votre passion. Deuxième étape, une fois votre famille complétée, il va falloir la valider en classant les mots par intensité ou par valeur croissante. Troisième étape de ce jeu, il vous faudra utiliser la fiche de contexte comme support de compréhension. Il faudra donc remplacer chaque mot au bon endroit pour être certain de la bonne compréhension des mots. Le patient sera parfois amené à utiliser le dictionnaire en cas de désaccord ou de doute. Vous pourrez évidemment photocopier cette fiche pour que le patient écrive directement les mots, comme ça il y a en plus un travail d'orthographe. Et vous pourrez demander à votre patient de créer lui-même ses propres phrases ou expressions avec les mots de sa famille. Et vous avez donc pour chaque famille possible un texte qui les mettra en situation. Vous retrouverez différents thèmes comme les émotions, les dates, les durées, les goûts, les silhouettes, les tailles, les estimations, les époques et pour finir les températures. Donc vous l'aurez compris, ce sont des thèmes plus précis et particulier, ça change de tous les autres jeux de catégorie que je pense on peut déjà posséder. On travaillera donc de manière plus précise certains mots de vocabulaire et ça sera tout à fait utilisable donc avec les adultes. Voici donc pour cette nouvelle vidéo et ce jeu de chez Kérosène qui j'espère vous aura plu. Je vous posterai comme d'habitude le lien en barre d'infos si vous êtes intéressé par ce jeu et je vous dis à mercredi prochain pour une nouvelle présentation de jeu. Thank you.